Alors, bonsoir tout le monde, bienvenue à cette séance du conseil. Avant de commencer la séance, je vous invite, vous les membres du conseil, à faire une courte réflexion sur la portée du serment que nous avons fait lors de notre élection, soit d'exercer nos fonctions avec justice et respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus. Merci beaucoup. Alors, bonsoir à tous ceux qui nous regardent religieusement. J'espère que vous êtes prêts pour l'hiver parce que ce week-end, on a eu la première tempête de neige. Il faut commencer. Si on veut avoir un été, il faut subir un hiver. Écoutez, vous avez vu, le monsieur Legault a autorisé les parties de Noël. Je pense qu'il faut être prudent. Il va falloir être prudent. Ce n'est pas un bal ouvert, là. Il va falloir être prudent pour limiter les rencontres. C'est sûr que même s'il ne l'avait pas autorisé, probablement que les jeunes l'auraient fait quand même, là. Malheureusement, Beauce-Sartigan, quand on regarde les statistiques, on est en Chaudière-Appalaches, on suit Lévis pas mal. Alors, on a de la misère à baisser. Encore aujourd'hui, on a la seule des trois Beauces qui... Il y a des surplus, il y a des nouveaux cas tout le temps. Il faut être prudent. Écoutez, c'est sûr que la maladie, comme je disais à plusieurs occasions, ce n'est pas toujours mortel, mais il y a des risques de l'attraper et d'avoir des conséquences fâcheuses. Alors, ce qu'on demande, la période des fêtes, soyez prudents. Parce que c'est sûr qu'on est. Si on avait la solution, ça fait longtemps qu'on l'aurait appliquée. Surtout là, qu'on commence à parler en Europe là, de la troisième vague. Il va falloir que ça arrête parce que ça commence à nous jouer sur le moral aussi à tout le monde. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Il y a aussi avoir une pensée pour les personnes qui sont seules, ceux qui se préparent à passer les fêtes tout seuls. Si vous en connaissez, n'hésitez pas à les appeler, essayer de les aider parce que c'est important que tout le monde, on s'occupe de tout notre monde. Okay. Et puis là, ce soir, on n'aura pas le budget, mais le budget. On se prépare, on est dans la dernière lignée pour préparer le budget, alors, qui va être présenté la prochaine séance du conseil le 14 décembre. Alors, sans plus tarder, on va passer à la séance du conseil. Est-ce que vous avez des points à rajouter à la séance de ce soir? Monsieur le maire, il y aurait l'item 5.12, on ajouterait acceptation d'une entente de partenariat relative à la fourniture de services de cadets de la Sûreté du Québec pour l'été 2021. OK. Alors, ça me parle d'une proposition. Proposition. Proposée par Mme Bougie. Secondé. Appuyée par M. Thomassin. Merci. Vous avez regardé le procès-verbal de la dernière séance du conseil qui s'est tenue ici le 9 novembre. Est-ce que vous avez des informations supplémentaires que vous avez besoin ou si tout est clair? Sinon, ça va prendre… Proposition. Proposée par M. Fortier-Renaud. Appuyée. Appuyée par M. Bouge. Monsieur? Fortier. M. Fortier. Jean-Pierre, merci. Maintenant, nous allons passer à la présentation des projets de règlement et avis de motion, le 4.1. 4.1, c'est la présentation et avis de motion pour le règlement 786-2020. C'est le règlement qui décrète les taux de taxation, tarification et autres pour l'année 2021. Donc, le projet de règlement, on n'a pas les taux dedans parce que ça va être au niveau de l'étude du budget en fin de semaine qu'on va voir tous ces taux-là. Il y a une modification au niveau du texte, au niveau de la cueillette des matières résiduelles, où on sépare le coût en deux items, soit les coûts de l'enfouissement et les coûts du transport. Okay. 4.2. Ça prendra quelqu'un qui donne le… L'avis de motion. L'avis de motion donné par M. Fortier-Renaud. Merci. 4.2. 4.2, c'est la présentation et avis de motion pour le règlement 787-2020, règlement qui établit la tarification de biens et services d'une activité et autres avantages pour l'année 2021. Au niveau des principales modifications, nous avons au niveau des travaux publics, quand il y a construction d'un branchement d'aqueduc et d'égout, lorsque besoin d'une vanne de 150 mm, le prix va être 1 500 plutôt que 1 100, et pour une vanne de 200 mm, ça va être 2 000 $ au lieu de 1 500. S'il y a nécessité de
couper, d'enlever de la bordure pour la refaire. Ça va être 125 $ le mètre au lieu de 100 $ puis pour un trottoir, 250 $ le mètre au lieu de 225. Au niveau des frais de raccordement de l'aqueduc et d'égout, il y avait un frais de 100 $ Ce frais-là est enlevé complètement. Au niveau des voyages de camions au site de Neige-Usée, une augmentation de 25 cents du voyage. Au niveau des frais de garde en fourrière pour chiens et chats, c'était 20 $ Le nouveau soumissionnaire, le coût passe à 25 $ par jour. On a aussi ajouté l'achat d'eau potable pour le remplissage de citernes d'eau potable. Donc, ça n'existait pas. Fait que c'est 250 $ par jour plus 25 $ excusez, la citerne. Principale modification au niveau des permis et demande de permis aux services urbanistes. On a une augmentation au niveau des permis pour un bâtiment principal, nouvelle construction de bâtiment principal. 1 à 3 logements passe de 100 à 200 $ 4 à 8 logements de 150 à 250. 9 à 20 logements passe de 300 à 400. 21 logements et plus passe de 500 à 600. Et maisons de chambre et autres passe de 150 à 250. Au niveau des permis de rénovation, réparation, c'était gratuit pour 0 à 5 000 $ de travaux. Maintenant, ça va être de 0 à 10 000 $ de travaux. Pour les autres tranches, les prix demeurent les mêmes. Au niveau de... on enlève la location du stationnement du centre sportif La Croix-du-Sil parce que depuis que la nouvelle glace, on ne le loue plus, mais on rajoute le stationnement qu'on appelle anciennement André-Lessard au coin de la 112, entre la 112 et la 113e rue. Le coût est de 500 $ par jour. C'est pour une activité quelconque. C'est le même prix que lorsqu'on loue à l'espace Redman. Il y a des locations de salles au pavillon Éloi-Poulain et d'autres, comme au centre de ski, parc de Sechute, sans se passer la Croix-du-Sil, passent de 20 à 30 $ l'heure. Il y a le coût au niveau du camp de jour lorsque c'est le matin seulement. Au niveau de cette année, il n'y en avait pas. À cause de la COVID, il n'y a pas eu de demi-journée. Si jamais il y avait de la demi-journée, le prix serait de la tiers du camp de jour ordinaire parce que l'accessibilité au camp de jour, ce qu'on parle de demi-journée, c'est à peu près 3 heures versus 9 heures quand c'est la journée complète. Et tout ce qu'on appelle camp de jour, jeunesse en vacances, cours de natation, les non-résidents, le tarif est le double du tarif du résident. Après ça, principale autre modification. Au niveau des incendies, on a le centre de formation qui est situé là, au motel industriel. Donc, lorsqu'on quelqu'un loue le centre de formation, il y a des coûts dépendamment des équipements qu'il a besoin. Pour l'autopont, le coût passe de 75 à 100 $ de l'heure. Il y avait l'utilisation d'une scie mécanique qui n'était pas là, qui est à 50 $ Et nouveau aussi, là, un conteneur de mise à feu, c'est 500 $ par utilisation. Ça, c'est un conteneur où on fait des divisions et mettre le feu et les pompiers peuvent aller se pratiquer à l'intérieur. Ça fait le tour. Okay. Avis de motion? Avis de motion. L'avis de motion est donné par Mme Bougie. Merci. Nous allons passer à l'adoption des résolutions, le 5.1. C'est l'approbation du paiement des comptes pour la période du 30 octobre au 12 novembre. C'est un montant de 5 455 923,29 selon un rapport préparé par Mme Karine Veilleux, directrice du service des finances et trésorière. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Fortin. Merci. 5.2. C'est la cession d'une parcelle de terrain par 83-91-8805 Québec Inc. pour des travaux d'infrastructure dans la 114e rue entre la 1e et la 3e avenue. Le propriétaire accepte de céder une parcelle de terrain à la Ville pour permettre ces travaux. La résolution vise à ce que le conseil accepte la cession à titre gratuit d'un immeuble connu désigné comme étant une partie du lot 6 374 195 du cadastre du Québec dans la circonscription foncière de Beauce, le tout conformant au projet de contrat préparé par Maître Sabrina Lepage, notaire, et d'autoriser le maire et le greffier à signer les documents. Proposition. Proposée par Mme Fortin. Je vous rendez. Appuyée par M. Thomasin. Merci. 5.3. Alors, c'est également une cession d'une parcelle de terrain, cette fois-ci par gestion Marco Poulain Incorporé pour les mêmes travaux d'infrastructure dans la 114e
rue entre la 1ère et 3e avenue. Cette fois-ci, c'est une partie du lot 6 374 693, toujours à titre gratuit, et autoriser le maire et le greffier à signer les documents. Proposition. Proposé par M. Fortier-Jean-Pierre. Appuyé par? L'appuyé. Par M. Fortier-Renaud. Merci. 5.4. C'est l'acceptation d'une entente concernant le contrat d'entretien du logiciel AS Évaluation fourni par la Ville à la MRC des Appalaches et la MRC Beauce-Artigan. Donc, la Ville a formé un regroupement avec ces deux MRC pour faire l'achat de logiciels spécialisés en évaluation foncière. Des discussions sont intervenues concernant le partage des coûts du contrat d'entretien des applications. La résolution vise à ce que le Conseil accepte l'entente avec la MRC des Appalaches et la MRC Beauce-Artigan concernant le partage des frais du contrat d'entretien et des applications d'évaluation foncière, entente qui est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante, comme si ou non reproduite, et d'autoriser le maire et le greffier à signer des documents. Proposition. Proposé. Je vais l'appuyer. Par M. Perron. Proposé. Appuyé par M. Renman. Merci. 5.5. Alors, cette fois-ci, c'est le renouvellement de l'entente concernant le support des services informatiques fournis par la Ville à la MRC des Appalaches. Il y a une entente pour le support, le support technique pour les équipements informatisés. L'entente doit être renouvelée jusqu'au 31 décembre 2021. La résolution vise à ce que le Conseil accepte le renouvellement de l'entente avec la MRC des Appalaches concernant les services de support informatique fournis par la Ville et d'autoriser le maire et le greffier à signer les documents. Proposition. Mme Thibodeau. Je vais appuyer. Appuyé par M. Fortier. Jean-Pierre. Merci. 5.6. C'est le renouvellement de contrat d'entretien pour les suites de logiciels de la firme PG Solutions pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021. Alors, il y a des logiciels de cette firme-là qui sont utilisés par la Ville, notamment par le service des finances, l'urbanisme, les ressources humaines, sécurité incendie, le greffe ainsi que la cour municipale. Donc, les contrats d'entretien et de mise à jour de ces logiciels-là doivent être renouvelés pour 2021. On parle d'une augmentation de 3 % La résolution vise donc à ce que le Conseil accepte la nouvelle tarification des contrats d'entretien avec la firme PG Solutions au montant de 131 265,41. C'est un montant qui est financé à même le budget de fonctionnement. Il y a également de conclu une entente de confidentialité avec cette firme suivant la politique de sécurité des systèmes et d'intégrité des données et autoriser le maire et le greffier à signer des documents. Proposition. Proposée par M. Fortier. Renaud, appuyé par M. Thomassin. Merci. 5.7. C'est le renouvellement du contrat d'entretien pour les logiciels AS avec la firme PG Solutions pour la période du 1er janvier 31 au 31 décembre Donc, on parle ici des logiciels, cette fois-ci, là, qui sont utilisés par la MRC Beauce-Artigan pour le service d'évaluation. C'est une suite de logiciels qui doit également être mise à jour sur une base continue. Le contrat d'entretien de 61 776,07 payable par les trois utilisateurs selon les modalités déjà entendues, dont la part de la Ville qui s'élève à 20 114. La différence est assumée par les MRC de Beauce-Artigan et des Appalaches. La résolution vise donc à ce que le Conseil accepte le contrat de renouvellement, le renouvellement du contrat d'entretien pour ces logiciels, que soit conclue une entente de confidentialité avec la firme suivant la politique de sécurité des systèmes et d'intégrité des données, d'autoriser le maire et le greffier à signer les documents et la part de la Ville, qui est de 20 104, va être financée à même le budget de fonctionnement. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Fortin. Merci. 5.8. Acceptation d'un contrat de support pour la suite de logiciels du groupe des géomatiques Azimut pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021. Alors, encore là, c'est des logiciels pour la mise à jour du CADAS, de la matrice, du rôle, de l'urbanisme et de la diffusion de données. Nous avons reçu du groupe de géomatique Azimut les coûts qui seront chargés pour l'entretien de la suite du logiciel pour la période de 2021. On parle de coûts de 29 698,04. Donc, la résolution vise à ce que le Conseil accepte ces coûts. C'est un montant qui va être financé à même le budget de fonctionnement. Il y a encore le principe de l'entente de confidentialité avec la firme suivant la politique de sécurité des systèmes et d'intégrité des données et d'autoriser le maire et le greffier à signer les documents. Proposition. Proposé par? Proposition. Par M. Redmond. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Bougie. Merci. 5.9. Demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide aux initiatives de partenariat d'une entente de développement culturel. Pour l'année 2021, la Ville désire faire une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide aux initiatives de partenariat d'une entente de développement culturel pour l'élaboration du plan d'action dans le portail Diapason. Nous avons une demande d'aide financière qui a été préparée par Mme Carole Paquette, directrice du service de loisirs de la culture et qui est jointe à la présente résolution. La résolution vise à ce que le Conseil autorise Mme Paquette à déposer la demande d'aide financière.
et également que le maire et le greffier soient autorisés à signer pour au nom de la ville, de la municipalité, tout autre document qui serait utile. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Fortin. Merci. 5.10. C'est une résolution pour l'embauche d'une brigadière scolaire. Donc, c'est pour autoriser l'embauche de Mme Marie-Ève Dehette de brigadière scolaire selon les conditions de travail prévues à la structure salariale des employés non syndiqués, et ce, à compter du 24 novembre 2020. Proposition. Proposé par M. Thomassin. Je vais appuyer. Et par M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. 5.11. Embauche de 5 caissiers pour le centre de ski. Alors, c'est pour autoriser que le conseil autorise l'embauche du personnel temporaire suivant selon les conditions de travail prévues à la convention collective des employés du centre de ski pour la période prévue au rapport d'embauche, joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante, comme si l'on reproduit. Donc, caissier-caissière, Vanessa Côté-Fecteau, Marianne Plante, Mégane Gaulin, Anaïs Veilleux et Émilie Parent. Proposition. Proposée par M. Redman. Jean-Pierre. Puis par M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. 5.12. C'est l'acceptation d'une entente de partenariat relative à la fourniture de services de cadets de la Sûreté du Québec. Donc, la Ville souhaite obtenir 2 cadets dédiés à la Ville dans le cadre du programme de cadets de la Sûreté du Québec pour l'été 2021. La Sûreté agit à titre d'employeur des cadets et de responsable du programme. La résolution vise à ce que le conseil municipal demande à la Sûreté du Québec 2 cadets dédiés à la Ville pour l'été 2021. Que le conseil accepte une entente avec la Sûreté du Québec concernant la fourniture éventuelle de services de cadets pour l'été 2021 dans le cadre de ce programme. Et que M. Claude Poulin, directeur général, soit autorisé à signer pour le nom de la municipalité les documents qui seraient à ce moment-là utiles. Proposition. Proposée par M. Fortier. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Perron. Merci. On va passer au dépôt de documents. 6.1. 6.1, c'est le rapport d'embauche de patrouilleurs pour le centre de ski. Nous avons au total 16 patrouilleurs, 6 nouveaux et 10 anciens qui sont embauchés. Merci. Et 6.2. 6.2, c'est un rapport d'embauche pour des moniteurs pour le centre de ski, un total de 10 moniteurs pour le ski et la planche. Merci. Ça, c'était vite ce soir. On voit que les fêtes s'en viennent. Alors, l'autre sujet, c'est les comptes rendus des dernières réunions. Je vais commencer à ma droite ici. M. Fortier? Oui, durant les deux dernières semaines, j'ai eu deux rencontres. On a eu une rencontre mercredi le 11 novembre, comité de réflexion pour le centre Marie-Philibert avec des collègues ici. On s'est rencontrés mercredi soir pour une réflexion sur le centre Marie-Philibert. Et puis, jeudi, le 12 novembre, j'ai eu une visioconférence au Gala des fleurons pour souligner que nous avons conservé nos 4 fleurons pour l'aménagement de l'île Poseur. Alors, on félicite nos jardiniers pour leur travail efficace qu'ils font au cours de l'été. Ça fait que c'est dans ce sens-là qu'on a conservé nos quatre fleurons. Merci. Madame Thibodeau. Oui, bien, je vais revenir avec la réunion dont M. Renaud a parlé, la réunion d'agrandissement. C'était le 11 novembre, il y avait Renaud, il y avait Esther, il y avait Jean-Pierre, puis il y avait moi-même et Carole Paquet. Et on a parlé, vous me direz si je m'en vais dans la bonne ligne, l'importance d'agir bientôt, parce qu'on est déjà sous les normes pour la bibliothèque. On a parlé de la salle aussi, puis peut-être la salle de faire un changement, faire une salle multifonctionnelle. Alors, ça servirait à la ville, les entreprises, la bibliothèque, les artistes, bien sûr, et l'industrie. Mais il y a toujours quelque chose qui nous bloque, les argents. Alors, les argents, la ville est bien prête à mettre la somme nécessaire, mais on y va un tiers, un tiers, un tiers. Le provincial, on l'a. Le fédéral, c'est ce qui bloque. On a parlé peut-être d'aller chercher des sous dans le milieu. C'est à voir, on est encore en discussion pour ça. Mais on n'a comme pas le choix de trouver une solution parce que remettre à plus tard, ça va coûter toujours plus cher. Et surtout, si on procède dans 15-20 ans, bien, tout le travail fait sur les plans de vie vont être à refaire. Alors, je pense qu'on va poursuivre cette discussion-là parce que ça a été très intéressant. Puis, on va essayer de trouver une solution. Il y a toujours des solutions à tous les problèmes. Alors ça, c'était pour la réunion du 11 novembre. Le 17, j'étais au comité culturel de la MRC. La MRC, on a un projet pour Chaudière-Appalaches, découvrir les paysages patrimoniaux. Parce que vous savez, il y a des paysages en Beauce qui sont exceptionnels. Alors, il y a un projet qui va être fait sur 3 ans. C'est à surveiller. Et puis, le 18 novembre, les Amants de la Seine, bien, tous les spectacles sont arrêtés, bien sûr. Mais les gens travaillent encore parce qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'on va tomber dans une zone orange. Et où est-ce qu'on va pouvoir avoir peut-être 130 personnes dans la salle pour voir un spectacle?
Alors, les gens travaillent toujours et puis on se demande quand est-ce que ça va arrêter. Tout le monde espère que ça va arrêter bientôt. Je voudrais vous parler aussi du bulletin municipal. On a reçu ça par la poste. Puis, je ne sais pas si vous connaissez ça, mais jetez-le pas. Il y a tellement de belles informations là-dedans. Il y en a surtout les travaux publics, la circulation routière, le sport, les loisirs, le service d'urbanisme. Vous avez toutes les séances du conseil municipal. Si vous voulez nous voir la bête à toutes les deux semaines, vous allez savoir les dates. D'ailleurs aussi, à Lando, vous allez retrouver un système d'alarme. Ça, c'est un système d'alarme que la Ville a mis sur... ça fait quoi? Un mois qu'on a fait ça? À peu près. Mais vous allez être... vous allez savoir s'il y a un bris d'aqueduc dans votre coin, ça va sonner sur votre téléphone. Et si ce n'est pas dans votre secteur, bien, vous ne serez pas dérangé. Mais je pense que ça ne coûte absolument rien pour vous inscrire. Il faut le faire parce que vous allez avoir toutes des informations sur les inondations, les évacuations, les fermetures de route, peut-être un feu, peu importe, des événements aussi, des événements qui sont festifs. On va en avoir, il ne faut pas se décourager. Et voilà, M. le maire, j'ai fait le tour. Vous avez oublié de mentionner qu'à l'intérieur, vous avez l'horaire de la récupération des déchets. Oui, aussi. En plein centre. Un peu, je vais leur montrer. Regardez ça, c'est bien fait. Tiens. On fait ça, c'est la même chose que les autres années. Des fois qu'ils l'auraient oublié. Mais c'est important. Des fois, les gens appellent. Comment ça qu'on a poursuivi l'horaire? Ça fait partie de ce bulletin-là. C'est ça. C'est à garder pour l'année, ça. C'est ça, tout à fait. Merci, Mme Thibodeau. Mme Fortin. Oui, bien, j'ai participé là, avec M. Renaud et Mme Solange et M. Jean-Pierre à la réunion là, pour le centre culturel. Puis, oui, effectivement, il y a des besoins. Puis, il y a aussi d'autres paliers de gouvernement qui devraient s'engager avec nous pour ces projets d'envergure. Merci. Ouais. M. Perron. Non. M. Thomassin. Oui, le 11 novembre, on a eu une rencontre du comité de négociation pour les conditions de travail des employés cadres. En après-midi, j'avais une autre réunion, une réunion du Bercail. C'est sûr que le Bercail, on en regarde pour le COVID, tout ça. Il y avait 17 points à l'ordre du jour. Mais c'était plus quand même de la routine. Le 16 novembre, par Zoom, ça, les réunions, le port sont toutes par Zoom, là. À la demande des citoyens de la 78e, on a tenu une séance d'information dans le cadre du prolongement des réseaux d'aqueduc et d'égouts sanitaires en milieu bâti. M. Alain Roy, ingénieur de la Ville, et M. Claude Poulin ont répondu à toutes les interrogations que le monde se posait. Je pense que le monde en a sorti satisfait. Le 17 novembre, on a eu une rencontre accueil inconditionnel. Ce qui a ressorti le plus, c'est que dû à l'isolement, au télétravail, pas d'école à certains endroits, l'isolation, il y a eu beaucoup d'augmentation des problèmes psychologiques et de consommation de drogue et d'alcool. Puis en plus, les âges, ça rabaisse, on rajeunit là-dedans, puis c'est pas bien, bien bon. Parce qu'on en parlait avec le CIUS, là, puis il trouve qu'il y en a beaucoup. Ensuite, en soirée, j'ai eu une réunion du Cool FM. Ils nous ont donné leur bilan de l'année qui était positif, mais qui a arrêté pour les séries. Puis, ils ont ramené les mêmes officiers pour la prochaine année. Mais ils ont quand même fini avec un surplus. Ça fait 2-3 ans qu'ils finissent avec un surplus. Donc, je crois qu'ils gèrent quand même assez bien. Le 18 novembre, on a eu un comité de sécurité publique. On a visité le poste. On est des rares qui ont pu visiter ça. Comme ancien directeur de police, je peux vous dire qu'il est très sécuritaire, puis il est très bien fait. Au prix qu'il a coûté, mais ça valait la peine. Ensuite, depuis l'année passée, Angman, il y a beaucoup de sûreté avec la pandémie. Ils ont parlé que les motoneigistes, puis il n'y a plus beaucoup de motoneige à vendre, donc il va y avoir une recrudescence des motoneiges dans les sentiers. Ça va bien. Oui, il y a une problématique, mais des coups, c'est avec les motoneiges hors-piste, qui ne respectent pas. D'abord, ils ne vont pas dans les pistes. Ils vont sur les terrains de tout le monde, qui n'ont pas plus le droit. Puis, bien des coups, ça gruge beaucoup, puis ils brisent des petits arbres, ils brisent le sol. On leur demanderait, on vous comprend que vous aimez ça, mais demandez donc permission quand vous allez vous promener dans des terrains qui ne sont pas à vous. Ensuite, le lieutenant Gilles Lonnette, qui est directeur Beauce-Artigan, a annoncé sa retraite. Il va quitter au mois de décembre. Et c'est la sergente Danielle Jacob qui va prendre l'intérim
pendant jusqu'à temps que le nouveau soit nommé. 19 novembre, le comité des fêtes, on regarde la possibilité d'avoir une activité au nouvel an. On va vous tenir au courant, mais qu'on ait décidé quelque chose. Et les 19 et 20 novembre, les deux journées, on a eu des rencontres pour la finale des Jeux du Québec 2025. On avait les fiches techniques, là, ils nous ont expliqué comment que ça fonctionnerait. Et le lendemain, le comité de travail, on s'est réunis ici. Et ça a fini ma semaine. Puis Drummondville qui a retiré sa candidature. Oui, c'est vrai, Drummondville s'est retiré. On n'est plus rien que trois villes en nomination. Saint-Georges, Dolbeau et Trois-Rivières. Donc, on devrait être... Drummondville était quand même bien équipé, puis on n'est pas content. On va le devoir dire ça, mais on est heureux. Oui, parce qu'il avait failli avoir les dons. Ah, oui, c'est pour ça. Et puis, le dossier était prêt, mais il n'y avait pas grand-chose à faire pour être sur la liste. Ouais. Merci, M. Thomasin. Monsieur Redman. Il n'y a pas grand-chose de mon côté. Cette semaine, je vais avoir une réunion avec l'Office régional d'habitation mercredi matin. Et puis, c'est à peu près tout. Pas un mot à dire sur le parc Canin? Ah, le parc Canin, oui, on peut en parler, effectivement. Il y a eu sur Internet quelques commentaires. Quelques aboiements. Quelques aboiements, oui. Et puis, finalement, la Ville va émettre un communiqué officiel puis pour expliquer tout ça, mais c'est vraiment rien de méchant, même que c'est des améliorations pour les usagers. Mais je pense que la situation est la suivante, c'est qu'on a agrandi le panneau de règlement, puis les gens ont pensé qu'on avait rajouté des règlements. Peut-être juste ça, là. L'écriture est plus grosse. Fait que c'est aboyé pour pas grand-chose. Merci, M. Raymond. Madame Bougie. Oui, M. le maire, pour ma part, le 11 novembre, j'étais aussi avec M. Thomasin et vous là, à la rencontre du comité de négociation pour l'entente cadre. Le 11 novembre, j'avais aussi une autre réunion en après-midi, donc c'était une journée où on était occupés. Hein? C'était le comité de retraite. Il y avait d'ailleurs ce soir-là l'Assemblée générale annuelle pour les employés pour le comité de retraite. Je n'étais pas à la GR, mais j'étais à la réunion avant. Le 17 novembre, c'était un comité interne, un comité patronal, en fait, pour la négociation des cols bleus qui se poursuit, qui avait été arrêté là, pendant le temps de la COVID, là, parce qu'on avait des rencontres avec un médiateur. Là. Puis là, finalement, ça a été suspendu pour un temps, mais là, on recommence là-dedans. Donc, on avance, on continue. Le 23, en fait, c'est aujourd'hui, ça, j'avais aussi toute la journée, là, la rencontre avec les négociations, convention collective des Bleus, aussi une bonne partie de la journée, où on avait aussi des nouvelles personnes là, à la table avec nous, fait qu'on continue dans ce sens-là. Après ça, aujourd'hui, j'avais aussi la rencontre du comité de la famille, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vus. C'est difficile un peu là, dans les circonstances, mais on était dû, je pense, là, même si ce n'est pas parfait de le faire par Zoom, de se voir quand même. Puis, j'étais contente. Là, on a discuté de plusieurs sujets, dont le fait d'avoir des activités qui sont réconfortantes pour les gens. Nous, la Ville, on essaie d'en faire, mais il y a plusieurs organismes à notre table au comité de la famille qui aussi font des choses. Puis, on essayait de se motiver là, pour avoir des idées, puis des fois de se lancer nos idées pour essayer de voir ce qui se fait un peu ailleurs. Fait que je sais que les activités du mois de Noël s'en viennent bientôt. Elles ne sont pas sorties encore, mais ça s'en vient. Puis vous allez voir, on a fait plusieurs activités qu'on a réussi à faire malgré le fait qu'on ne peut pas se rassembler, tout ça. Mais il y a des idées là, qu'on peut sortir pour briser la routine puis avoir des idées qui sont qu'on appelle réconfortantes, là, des activités qui vont nous faire du bien. Je voulais souligner aussi la Maison des jeunes qui fait beaucoup d'efforts là, pendant ce temps de pandémie. Madame Julie Barrette, là, qui est la présidente, la directrice là-bas, nous disait qu'ils vont porter des boîtes d'activités aux jeunes. Fait que les jeunes qui s'inscrivent, ben, ils vont leur porter en main propre là, mais directement où ils habitent, les boîtes d'activités. Puis ça leur permet d'avoir un petit contact avec ces jeunes-là pour savoir comment ça va. Puis ça participe beaucoup, là. Il y a une demande. Les jeunes les attendent. Quand ils arrivent, ils sont contents. C'est difficile pour plusieurs jeunes. Il y a une recrudescence de demandes au niveau de l'aide alimentaire aussi à ce niveau-là. Donc, merci là, à la Maison des jeunes qui fait un beau travail. Surtout que la Maison des jeunes ont dû relever à pied levé l'aide alimentaire que le Saint-Vincent-de-Paul de l'Ouest faisait avant le vol. Alors, c'est eux ici, là, Mme Barrette avec son équipe, ils travaillent fort.
sont flexibles. Puis grâce à eux autres, il y a des gens qui reçoivent la nourriture pour pouvoir se nourrir leur famille. Oui, c'est ça. La demande augmente. Malheureusement, il y a les problèmes de santé mentale, les problèmes financiers. Il y a des familles pour lesquelles ce n'est pas évident. L'école à la maison, c'est beau, mais pas pour tout le monde que c'est super évident. Fait que ce n'est pas des temps qui sont si faciles. Il y avait aussi quelques personnes qui donnaient des idées. Il ne peut pas avoir de party de bureau là, pour les employés, mais il y a les gens œuvrent, ils font œuvrer leur créativité pour trouver des activités. Puis on voit de plus en plus des espèces de fêtes sur Zoom là, qui s'organisent avec des fois, les gens font livrer des petites affaires à leurs employés. Fait que si les tout petites entreprises, des fois, il y a des choses qu'on peut faire quand même là, pour souligner ça et essayer d'encourager nos gens. Peut-être juste un petit rappel pour le centre de ski, vous dire que la vente des billets de saison se termine vendredi le 27 cette semaine. Je ne me souviens pas du chiffre, là, mais Carole m'a dit aujourd'hui qu'il y avait vraiment là, un engouement pour le ski. Fait qu'il y a beaucoup de billets qui se sont vendus. Ça se fait tout par Internet si vous voulez acheter. On m'a dit aujourd'hui 547. 547. Cet abonnement à date. Là. Oui. C'est ça. Puis il reste cette semaine là, où il pourra avoir l'abonnement en ligne. Donc. Ouais. On va s'arranger pour que ça soit agréable aussi dans les conditions qu'on peut le faire. Puis il y a du patin poussette cette semaine, demain, puis après-demain, mais il faut réserver, donc appeler pour savoir s'il y a de la place. Il y a peut-être le patinage qui est ouvert à l'aréna, la glace Manac. Oui, c'est ça, j'ai dit. Le patin poussette est retraité. Oui, c'est ça, poussette est retraité. Oui, mais appelez pour. Oui, téléphoner. Vous n'êtes pas retraité, mais on ne refuse pas les gens, de toute façon, si vous appelez. Peut-être un mot, là, parce que j'étais là en fin de semaine, j'étais allé samedi. Et puis, des fois, il y a des citoyens qui sont durs envers les jeunes, justement, qui prennent des présences, qui essaient d'imposer des règlements. Là. Je demande aux jeunes, s'ils ne sont pas d'accord avec les règlements, bien. Prenez pas vos patins, là, les jeunes, ils nous représentent. Vous avez des plaintes à faire, soit vous passez par votre élu de district, de secteur, ou vous m'appelez. On va essayer de trouver la solution, mais ce n'est pas les jeunes qui sont là. Eux ont été briefés de telle façon, puis il y a des corridors à suivre pour sortir et entrer de l'aréna. Alors, s'il vous plaît, on vous demande de respecter les règlements et de donner vos noms, numéro de téléphone, puis on n'a pas à rajouter rien, là. C'est pour une question de sécurité. S'il arrivait une éclosion, on peut rejoindre les gens qui auraient été actifs durant la même période. C'est ça. C'est pas nous autres qui le... Ouais, tout à fait. Monsieur Fortier, Jean-Pierre. Oui, Monsieur le maire. Deux petites choses. Au niveau, comme mentionné par mes collègues précédemment, j'étais aussi à la rencontre pour l'agrandissement du centre culturel. Je crois que c'était une réflexion, voire à rendre plus flexibles les pièces disponibles. On a même regardé des grandeurs, voir si c'était convenable. Puis ça a été une réflexion intéressante, puis on espère que ça pourra soit réduire les coûts, soit rendre l'utilisation plus flexible, puis permettre une plus grande utilisation, puis permettre le projet de naître finalement. Puis, jeudi dernier, j'étais aussi au conseil d'administration de la région intermunicipale. C'est comme en tous les mois de novembre, élection. Alors, pour la quatrième année, j'ai pris la vice-présidence. Ça se bousculait pas. Ça se bousculait pas pour le poste. Mais je dirais que l'année qu'on finit a été plus complexe, plus ardue. On a eu des dossiers chauds. Puis l'année qui arrive va commencer, je pense, aussi assez solide. Ça fait que je pense que ça méritait de l'attention. Puis je veux bien, j'en participe encore une fois. Il faut enfouir les problèmes. Hein? Merci, M. Fortier. Merci. De mon côté, moi, il y a la séance hebdomadaire de COVID avec les représentants du CIUS et du CIS, alors, qui nous tiennent au courant. Comme je disais au début de la réunion, c'est sûr que Beauce-Sartigan, on a quand même beaucoup de cas. Trop à mon goût, là, mais écoutez, il faut être prudent, soyez prudent. J'ai participé à une petite mini-cérémonie du souvenir, le 11 novembre, afin de se souvenir pour ceux et celles qui ont perdu leur vie dans les différentes guerres et combats. C'est important qu'on quand même si le gouvernement avait décidé qu'il n'aurait pas officiellement, il n'y a pas de rassemblement, mais il y a eu quand même assez de gens qui sont venus, juste par respect, vite. On a tenu les distances selon les conventions sanitaires. Je voudrais remercier la Légion qui avait organisé ça encore cette année. Merci. Participer au caucus des cités régionales. Écoutez, on recevait Mme Anglade avec Mme Nichols.
Et puis, on a parlé un peu des problèmes que sortaient des cités régionales. Il y avait trois majeurs. Le premier, c'était le manque de place en garderie à toutes les régions. Je pense qu'au Québec, tout le monde voudrait avoir plus de place en garderie. Le deuxième problème, c'est sûr qu'on a parlé de la centralisation des pouvoirs au niveau médical, la santé. La réforme Barrette a monté les décisions très haut en haut, mais il n'y a rien qui se passe sur le terrain. Alors, je pense que Mme Anglade a compris le message. C'était généralisé aussi. Puis finalement, le troisième, c'était les fameux milieux humides et hybrides. Et puis, il y avait la représentante, Mme Nichols, qui est la représentante à l'opposition au niveau de l'environnement. Je peux vous dire que après ma présentation, elle a voulu s'en venir à Saint-Georges pour réécrire la directive. Alors, je pense qu'on va avoir une écoute plus importante à ce niveau-là pour nous permettre d'appliquer le gros bon sens concernant les milieux humides et hybrides, là. Parce que maintenant, on ne peut plus rien faire. Ensuite, c'est sûr, on a eu le CA mensuel de la MRC. Nous avons sorti, on a eu une conférence de presse pour présenter le guide des nouveaux arrivants. Je pense qu'il faut saluer le travail de Mme Gagné, qui a travaillé énormément justement pour mettre à jour ce guide-là. Il était vraiment complet. On a voulu en faire un guide non partisan, okay, parce qu'il y en a qui, j'en connais, qui auraient voulu avoir le face dans tous les pages, là, mais on voulait éviter d'avoir des choses comme ça. C'est vraiment pour le citoyen. C'est un outil pour dépanner. Mais souvent, là, maintenant, les gens vont m'appeler, vont avoir tel problème. Et je vais dire, allez voir le guide des nouveaux arrivants. La réponse est là-dedans. Donc, ça touche à vraiment tous les sujets. J'ai eu la chance de rencontrer la nouvelle directrice générale de Moisson-Beauce, Mme Marie Champagne. Alors, je lui souhaite la bienvenue. C'est sûr qu'elle remplace Mme Nicole Jacques, qui a fait un boulot exceptionnel dans les dernières années, qui a travaillé fort pour obtenir des fonds et de la nourriture pour aider les plus nécessiteux. Alors, encore une fois, Mme Champagne, bienvenue. On aura sûrement la chance de se rencontrer encore. Puis finalement, samedi, j'ai eu la chance de rencontrer les nouveaux arrivants. On était une quinzaine qui était cédulée à tous les 10 minutes. On faisait ça là. Et la question que je posais à tout le monde, c'était pourquoi ils avaient choisi Saint-Georges. Et puis, vous seriez surpris des réponses qu'on a eues. Là. Saint-Georges, des fois, on se dit entre nous autres qu'on a une belle ville, mais c'était unanime. Écoutez, par tous les nouveaux arrivants. Plusieurs étaient venus ici, étaient à Montréal, à Québec, et puis ils venaient à Saint-Georges, puis ils choisissaient Saint-Georges. En tout cas, savez-vous que c'est un petit frisson de fierté lorsqu'on voit ça, là. Et puis même ceux qui en avaient même un traducteur en espagnol, puis c'était la même chose pour eux. Ils ne comprenaient pas la langue. On se parlait par Google, là, puis il y avait un traducteur. Et ça fait plaisir d'entendre ça. Alors, je pense qu'on est, grâce à vous autres, on travaille fort pour avoir une belle ville, puis accueillante. Je pense qu'on s'en va. On est dans la bonne direction. Il faut continuer. Surtout qu'il y avait une quarantaine qui sont arrivés depuis le début de l'été. On a eu seulement une quinzaine qui sont venus. Il y en a qui sont encore en confinement. On aura la chance de les revoir plus tard. Alors, c'est important qu'on lui démontre que... Parce que l'intégration, comme on le disait durant la conférence de presse, l'accueil est important. Si on les accueille de façon professionnelle, ça facilite leur intégration. Alors... C'est sûr qu'il y a des nouveaux arrivants qui sont étrangers. C'est plus facile d'avoir la liste parce que la majorité, soit qu'ils passent par Carrefour Jeunesse Emploi ou la polyvalente ou le cégep. Il y a des nouveaux arrivants aussi qui arrivent de d'autres villes du Québec. Malheureusement, on n'a pas de système pour pouvoir les rencontrer, les reconnaître. Mais quand même, les nouveaux arrivants, c'est important. Ceux qui viennent de l'extérieur, s'ils veulent nous rencontrer et venir nous voir, il n'y a aucun problème là-dedans. Il y en a de certaines villes, c'est une habitude à prendre d'aller à l'hôtel de ville pour se présenter. Mais, alors, ça, moi, je suis prêt à les recevoir n'importe quand. Je suis certain que c'est la même chose avec les élus. Je suis prêt à rencontrer les nouveaux arrivants. Ça touche pas mal à tout ce qu'on a fait durant les derniers 15 jours. Alors, sans plus tarder, on va passer aux questions. La période de questions, si avez-vous des points, des questions pour l'année 2020? Parlez-moi pas de questions sur la pandémie, j'espère. Là. Mais, non, le reste, les points. Oui? Monsieur Morin, un point d'information supplémentaire. Cette semaine, on va annoncer qu'on va ouvrir la glace Canam. Maintenant, le patinage libre va être sur la glace Manac. Donc, on va... Pardon, le micro n'était pas ouvert, excusez. Alors, cette semaine, on va annoncer qu'on ouvre la glace Canam pour permettre la pratique là, par petite bulle familiale de...
hockey ou de louer. Les gens vont pouvoir louer une demi-glace. Il y a des petites bandes qui séparent au centre. Je pense qu'on parle de mémoire d'une quarantaine de dollars là, de l'heure. Et donc, ça va être le vendredi là, de 3h à 8-9h, ainsi que le samedi en journée. Et le dimanche, la glace Can-Am va être également disponible pour ajouter des heures de patinage libre. Fait qu'on va, évidemment, toujours les réservations se prennent en appelant loisir le lundi matin, le téléphone ne dérougit pas. Alors, les précisions vont être faites cette semaine, là, mais c'est pour permettre justement là, de redonner plus d'heures de glace. On a, dans le respect des règles sanitaires, on s'est pratiqué depuis 2 semaines avec le patinage libre. Fait que là, on est en mesure là, d'ouvrir également la glace Can-Am, pardon, oui. La glace Manac, c'est très populaire. Peut-être juste spécifier famille, bulle familiale qui habite à la même adresse, là, on parle vraiment. Oui, exactement. Et lors de l'inscription, on demande des coordonnées, etc., pour s'assurer que ce n'est pas deux familles différentes qui arrivent en même temps, qui ont loué la glace à deux. Et on va être très sévère là-dessus. On n'a pas le choix. C'est les règles sanitaires qui nous imposent cela. Point d'autres questions? Questions du public. À moins que vous en ayez eu. D'autres, on n'a pas eu ici à la Ville, mais les questions des points? Non. Ça fait que la prochaine réunion se tiendra ici le 14 décembre. Alors, comme je disais auparavant, c'est la soirée du budget. Travaille fort. C'est sûr que l'option qu'on a, c'est toujours d'en faire plus avec moins. Je pense qu'on a la chance. On va se rencontrer, nous autres, le conseil va se rencontrer samedi toute la journée. On devrait passer à travers tout le budget 2021 pour s'assurer qu'on le maîtrise assez bien. Question, point. Sinon, proposé par la levée de l'Assemblée, proposée par M. Redmond et appuyée par M. Thomassin. Alors, on se revoit le 14 décembre. Merci beaucoup. Merci. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.